présence sur tous les médias, presse parlée, écrite et télévisée, qui a dans 4 points de presse, dans l'occasion de la Journée mondiale infirmière. Le 12 mai, marqué Journée mondiale infirmière qui célèbre chaque année. Thème qui choisit pour année, les infirmières, une voie faite pour diriger vers un monde en bonne santé que Anil ramené dans le contexte panou, qui c'est les infirmières au cœur de la COVID-19. Alors, on a profité saluer le départ présidente de l'association, qui c'est Madame Charles Lucille, qui quitte nous le 30 avril. Anilga, c'est filiale Anil, qui c'est Association nationale des infirmières licenciées d'Haïti. Filiale Grandance, nous existons depuis 9 ans. Mission nous, c'est défendre l'intérêt de nous, rehausser l'image de la profession, assurer le bien-être de chaque membre. Alors, qui place infirmière dans la chaîne de soins? Infirmière, c'est un maillon très important dans la chaîne soins en Haïti. Il est toujours là en premier pour accueillir, soigner, protéger, conseiller. Nous disons que mes promesses ont été faites et ont été graduées pendant qu'il a continué la bataille pour gagner un changement dans les conditions de travail. Et nous disons que la victoire finale là, c'est pour nous capter. Toute population connaît, sans personnel infirmier, le système santé n'a pas de fonctionner. Dans nos PAM et dans nos ANILGA, nous disons tout infirmier infirmière une bonne fête. Et pour vous prendre un petit temps pour vous réfléchir dans la journée de commémoration. Ça. Alors, dans le cas de COVID-19, là, songez que le personnel infirmier a bien plus de travail. Il faut que nous mettions encore plus disponible pour nous sauver la vie communautaire. Nous prenons un hommage mérité à toute infirmière qui mourit dans le COVID-19 là, dans le monde là, pendant que vous cherchez à sauver la vie de l'autre monde. Et profiter de la population, mettre tout principe du ministère de la Santé publique en pratique pour ne pas arriver à frapper la COVID-19. Là. Et nous rappelons, même personnel ça qui a fait un message pour éviter la maladie, c'est lui-même qui a rencontré s'il a la maladie. Alors on a fini, on a pris des chapeaux bien bas devant infirmiers et infirmières. Et dire, c'est un monde qui peut prendre plus de précautions pour aider l'autre monde qui est en difficulté. Nous saluons une grande dame, Madame Pion Mabois, qui est nouvelle présidente ANIL, qui est l'Association nationale des infirmières licenciées d'Haïti. ANIL a dit un gros merci à tous les journalistes qui sont présents, qui étaient d'accord pour couvrir l'événement. Merci.